Mbemba, c'est moi qui te parle, moi ton grand frère. Que cela te fasse mal ou pas, moi je m'en fous, mais moi je te demande. Longola bato wana. Soki ozoko banga, que bamilie bako bumayo, bon, tika politique, ça a commencé au sara. C'est simple. C'est simple. Tika politique, ça a commencé au sara. C'est simple, tu vivras toujours. Il n'y a pas que la politique qui fait vivre les gens, sinon le Congo entier serait un Congo de politiciens. Mais il y a des gens qui vivent avec le Matembele, avec le Ndunda. Ils mangent, ils ne sont pas des politiciens. Mon frère Jean-Pierre Bemba, tu t'es sali en faisant alliance avec une bande de milassos politiques. Mbote na bino nyoso, ngai Joyce Boloa. Landa Congo dialogue po yemba nyoso ya Congo. Merci beaucoup. Le monde sportif, parlant un peu de monde un peu politique et réfléchissant sur cela, nous allons aussi discuter, demander à M. Kilele l'implication de Donald Trump à la résolution, à l'établissement, n'est-ce pas, de la paix et pourquoi il est résisté pour venir intervenir à la résolution de notre pays RDC. Comme on a l'habitude de se poser la question, il y aura des élections ou pas? On aura à parler la semaine. Il y a un de nos téléspectateurs qui nous suivent ici en Afrique du Sud. Il a voulu aussi proposer ses questions. Si vous voulez aussi le faire, vous êtes la bienvenue. Contactez nos numéros de, ils sont dans le petit écran. Le numéro de M. Kilele est aussi là. Moi, c'est Joseph Boulois. Facebook, c'est Joseph Boulois. Alors, je vais inviter un de nos téléspectateurs. Moi, Namboka, Logola Bisso, Azanamama, Mituna, Mibele, Mibale, Misatu, Alinga, Gepekotuna, Président Kilele. Bonsoir, Président Kilele. Mon nom, c'est Didier. Didier Ndongala. Oui. Ma question est celle-ci. Et ma préoccupation de tous les jours. Ce n'est pas à cause des gens de Kivu qui ont donné l'accès aux Rwandais qui nous maltraitent aujourd'hui au Congo et nous souffrons. C'est à cause de nos frères qui vous tiennent. Et vous voulez devenir président de la République du Congo. Pensez-vous que tout autour de vous, il n'y aura pas des gens tels que Bizimakara, Rubéroa, Kanambe? C'était ça ma question. Merci. Compatriote Didier Ndongala, je ne pense pas que ça sera injurié si je dois qualifier des propos pareils d'ignorance. Je vous demande d'amortir cette incursion que j'ai fait dans votre cerveau. En vous appelant un peu ignorant, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide. Ignorance, c'est pourquoi? C'est parce que nous devons aller un peu à l'origine des deux choses. Première chose, ou premier fait, c'est que il n'est pas du devoir particulier d'une province dans un pays de défendre l'intégrité du territoire national. C'est du devoir du gouvernement. C'est dans le programme permanent du gouvernement. C'est un devoir régalien du gouvernement de défendre toutes les frontières de son territoire. Donc,
la responsabilité n'incombe pas seulement aux Kivusiens. Parce que les Kivusiens sont un élément de l'ensemble Congo. Celui qui a failli depuis l'époque coloniale, c'est le gouvernement. Et surtout le gouvernement mobutien ou mobutiste. Parce qu'on ne peut pas trop parler de Kasavubu à l'époque qui avait hérité ça des Belges. Il y avait un peu de la sécurité à ce moment-là, pendant ces 2-3 ans, jusqu'à ce que Mobutu a pris le pouvoir. Sans doute, nous savons qu'il a pacifié le pays avec la guerre de Kamagnola, tout ça. Mais il a fallu qu'il continue à sécuriser les frontières du pays. Par contre, il a laissé toutes les frontières de l'Est poreuses et il a fait romance avec les dirigeants de la frontière, plus particulièrement le feu président Juvenal Habyarimana et même le président Michel Michombero de Burundi. Alors, les étrangers entraient et sortaient comme ils voulaient, comme s'ils allaient dans un jardin. Ils y entrent et ils y sortent comme ils veulent. Il n'y avait pas un service d'immigration très efficace, comme la plupart des pays aujourd'hui au monde commencent à renforcer les contrôles de leurs frontières. Il n'y avait pas que le Congo. S'il faut aller en Amérique, l'Amérique a été pénétrée par des Mexicains, par beaucoup de gens, etc., même en Europe. Donc ça signifie que c'est maintenant que la plupart des pays commencent à se réveiller un peu à cause de l'afflux migratoire, de gens qui quittent leur pays à cause des guerres, à cause de crises économiques et beaucoup d'autres crises qu'on peut mettre à ces corollaires là-bas qui font que les gens quittent leur pays pour migrer ailleurs. Donc il y a eu l'irresponsabilité d'abord de l'État zaïrois, de l'État congolais, zaïrois congolais. Il y a eu cette irresponsabilité et non pas seulement les gens de Kivu, parce que les gens de Kivu n'ont pas un arsenal propre à eux pour défendre les frontières. Si le gouvernement avait dit que non, les Kivusiens, je vous donne cet arsenal à vous de défendre l'Est, je pense que vous ne seriez jamais déçus. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si le Congo est le Congo, s'il n'a pas basculé dans les jurons Rwanda, Ouganda, Burundi, c'est grâce aux Kivusiens. C'est grâce aux Maïmaï. Ce sont les Maïmaï qui défendent les frontières du pays, plus qu'aucun autre peuplade au Congo. C'est grâce à nous. Alors, l'autre point ou l'autre chose, pour utiliser un terme un peu plus vulgaire, chose, l'autre point, c'est l'historique de la guerre. Je viens de brosser un peu l'irresponsabilité du gouvernement, mais maintenant c'est l'historique de la guerre. Ce n'est pas nous, les Kivusiens, qui avions invité, introduit les envahisseurs comme ceux-là que vous venez de citer, Bizimana Karamouetou, Azarias Ruberwa, Bouguera, Kanambe et tous ces voleurs, voyous et assassins que nous avons au Congo. Ce ne sont pas nous. Nous devons aller à l'origine de la guerre. La guerre, c'est la querelle Mobutu-Bill Clinton. La guerre, c'est la fin de ce qu'on a appelé la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Je veux dire l'Occident et la Grande Russie. Avec l'émiettement des puissances du monde, il se fait que certaines puissances ont lâché leurs pions et n'ont plus vu l'importance de continuer avec la concurrence ou la compétition. Ainsi, Mobutu, qui jouait un rôle prépondérant comme étant un bulldozer contre l'intrusion du communisme en Afrique et surtout en Afrique centrale, les Américains n'avaient plus vu l'importance de continuer à les garder parce qu'il coûtait beaucoup. On le finançait, on lui donnait tout. C'était trop coûteux pour eux. Alors il a fallu qu'on le lâche afin que la tension puisse baisser. Et comme la tension avait déjà baissé, où vous avez vu avec l'arrivée au pouvoir en Russie de Mikhail Gorbatchev, qui avait amené sa politique de la perestroïka et de glasnost, la Russie s'est émiettée, s'est désintégrée, jusqu'à rester seulement la Russie au lieu de l'Union
des républiques socialistes soviétiques qui s'étendaient jusqu'au niveau de la Yougoslavie, Ukraine, partout, dans toute l'Europe de l'Est. Alors, les pions qui leur coûtaient trop cher ont été relâchés. Et, si vous vous rappelez, il y a eu l'exécution du génie des Carpates qui s'appelait, je pense que le maréchal, Ceaușescu de la Roumanie. Et il y a eu d'autres pions, soit du communisme, soit du capitalisme, qui ont été relâchés afin de pouvoir rétablir l'équilibre du monde sur un pied de ce qu'ils ont appelé la démocratie. Alors, Mobutu a été approché par l'Amérique, où on lui a dit, écoutez, on n'a plus besoin de vous, je pense que vous devez vous retirer et qu'on fasse la promotion de ce qu'ils appellent la démocratie. Et vous vous rappelez du discours du 24 avril à l'Ancelé, où Mobutu a pleuré, il y a une phrase légendaire quand il a dit, comprenez mon émotion. Il a pleuré, c'est parce qu'on lui a arraché de la bouche le biscuit ou le caviar qu'il avait dans la bouche. On lui a arraché ça. Lui qui s'était surnommé Mobutu l'Éternel et qui avait toujours dit que de mon vivant, je ne serai jamais appelé ex-président. Et il s'est vu devant une masse. Moi, on va m'appeler maintenant ex-président. Moi, je ne serai plus Mobutu l'Éternel. Je deviens Mobutu mortel, Mobutu humain. Oh, que je pleure. C'est ça le monde. Et Mobutu a pleuré. Le fait qu'il résistait, l'Amérique, sous le gouvernement du président William Jefferson Clinton, lui a envoyé l'ambassadeur Richardson. Le présentant cette lettre est venu lui dire, écoutez, on n'a plus besoin de vous, démissionnez, sinon votre cadavre sera drainé dans la rue de Kinshasa et nous ne voulons pas ça. Malheureusement, le cancer aussi l'a précipité. On ne sait pas si c'était vraiment la prostate ou on lui avait injecté le sida ou je ne sais quoi, parce que avoir un malabar comme Mobutu fondre jusqu'à peser 18 kilos, c'était difficile. Et vous savez que les Mindele sont toujours capables de t'avoir n'importe quand. Soit on lui a injecté ça, soit on ne sait pas quoi. Mobutu a fondu, il n'avait plus la force. Bill Clinton lui dira, je vais te prouver qui est-ce que je suis, comme tu ne veux pas quitter. C'est presque à la même période qu'au Soudan, en Somalie, il y avait la guerre des Américains contre les Somaliens, contre Al-Shabaab. C'était le Somalien ou le Soudanais? Le Somalien. Où l'administration Clinton avait accusé les Somaliens de fabriquer des armes bactériostatiques comme celles dont on a accusé Saddam Hussein. Et qui disent que leurs satellites voient tout, même si tu es dans la toilette, même si tu es dans l'eau. Cette fois-là, les satellites n'avaient pas bien vu. Or, c'était juste un petit laboratoire de fabrication de comprimés. On est venu bombarder ceci et cela. Heureusement, l'islam motivant a fait que les jeunes somaliens, les Al-Shabaab, se sont dressés contre la toute puissante armée américaine et ont battu l'Amérique. À part le Vietnam, l'autre armée à avoir battu l'Amérique, ce sont les Somaliens. Ce sont les Africains qui ont battu l'Amérique, plus qu'ils n'ont jamais été battus nulle part au monde. Vous avez vu les pilotes américains, leurs cadavres étaient traînés dans la rue, les avions abattus, et cela a produit même un film intitulé Black Hawk Down. Des cargos d'armes étaient restés en Somalie. Et les Américains ont fui précipitamment parce qu'ils avaient été massacrés par les Africains, les Somaliens, qui ont le sens de défendre leur pays, pas comme nous,
qui avons le sens d'aller nous agenouiller devant la statue d'un terroriste imaginaire, Jésus-Christ, et son père, Léopoldi. Ils ont battu l'Amérique. Bill Clinton s'étant vu humilié à cause du mensonge, et pour régler les comptes à Mobutu, avait dit, qu'est-ce que je dois faire avec tout cet armement qui est resté là-bas? Il a alors approché Museveni. Toi, tu es plus près de la Somalie. Je ne peux plus envoyer mes troupes pour venir reprendre tout, c'est impossible. Et les chars, et toutes sortes d'armes. Est-ce que tu peux prendre ces armes et les amener chez toi? On va ouvrir un couloir, on les amène chez toi. Mobutu fait la tête. Je voudrais que tu l'attaques. C'est lui qui a été le représentant de la CIA et de l'Amérique dans tout le continent, sur tout le continent africain. Toi, je vais te nommer son remplaçant. L'occasion faisant les larrons, comme on dit, Museveni a sauté sur l'occasion, moi, remplacer Mobutu. Alors, ça va. Ainsi, Museveni a réussi les armes. Pendant ce temps, depuis longtemps, les Tutsis étaient en Ouganda et luttaient contre les pouvoirs de Juvenal Habyarimana, eux qui étaient en exil. Kagame était le chef de service d'intelligence de Museveni. Museveni, c'est quelqu'un qui restait en Tanzanie, il a fait l'économie, il est gradué en économie. Et les Tutsis accompagnaient tout le monde. Sachez que les Tutsis étaient au Mozambique, les Tutsis étaient en Tanzanie, au Kenya, partout, ils sont partout. Et tout celui qui pouvait les aider à pouvoir récupérer leur pays ou rentrer dans leur pays, ils étaient les bienvenus. Ils ont accompagné Museveni quand l'armée tanzanienne est venue chasser Idi Amin. Kagame était dans les coups. Et pour le remercier, Museveni l'a nommé chef de service d'intelligence. En fait, ce sont les Tutsis qui contrôlent l'armée ougandaise. Et il faut savoir que Museveni lui-même, c'est un Tutsi, il est de la tribu Ankoli. Il n'est pas Muntu, il n'est pas Muganda. Les Baganda, ce sont des Bantous. Vous voyez ça? Lui, c'est un Tutsi comme Kagame. Alors, il a dit à Kagame, c'est le moment pour que vous, les Tutsis, vous rentriez chez vous et prendre le pouvoir. Voici, il y a des armes. Moi, je suis déjà au pouvoir, j'ai réussi, j'ai chassé Idi Amin et je suis là. Ah bon, c'est comme ça. Ainsi, la chevauchée continuera de la Somalie jusqu'en Ouganda, de l'Ouganda jusqu'à Kigali. Arrivé à Kigali, le reste de l'épisode que je ne vais pas tout développer, avec l'abattage de l'avion présidentiel, du jet présidentiel, et la mort de deux présidents dedans, et la mort de l'autre président qui a remplacé l'autre président au Burundi, c'est Bill Clinton qui est dans tout ça. C'est Bill Clinton qui a financé la guerre du Congo, et c'est l'ennemi numéro un du Congo, c'est Bill Clinton. Ce n'est pas autre personne, c'est Bill Clinton qui est l'ennemi numéro un. C'est la mafia de Bill Clinton qui a mis le Congo là où l'on est parce qu'il avait des conflits avec Mobutu et il voulait exploiter, il voulait mettre main basse sur les richesses du Congo. Et aussi chercher à chasser la France dans ce que la France a l'habitude d'appeler les précarés français, donc les colonies françaises avec des tentacules dans les pays qui ne sont pas des colonies françaises mais qui parlent la langue française, telles que les Congo, telles que les Rwanda et les Burundi, qui étaient des anciennes colonies allemandes, plus l'Ouganda et le Kenya et la Tanzanie. Et comme vous savez, c'était des colonies allemandes. Mais nous parlons, nous, les Rwandais, Burundais et Congolais, nous parlons français. Alors la France nous considère comme étant aussi ses colonies linguistiques. Et elle avait, et elle a jusqu'à aujourd'hui, plus d'intérêt au Congo, plus que la petite Belgique. Alors, l'ennemi, pour que vous me permettez de le répéter, du Congo, c'est Bill Clinton et sa femme. Et je suis content de la force que la communauté, la diaspora congolaise, a fait montre aux États-Unis en mobilisant et en expliquant aux Noirs, à l'électorat noir américain,
de ne pas élire la sorcière, la femme de Bill Clinton, Hillary Clinton, parce que c'est une sorcière. C'est une très mauvaise femme et c'est elle qui a tout fait pour qu'on puisse tuer notre Kadhafi. C'est un autre chapitre qu'un jour on va expliquer, mais d'autres médias ont déjà expliqué comment Kadhafi est mort. Alors, ce sont ces gens, en bref, qui ont introduit les Tutsis au Congo. Et ces gens, représentés par ces gens que, dont tu as cité les noms là-bas, Bizimana Karamoet, etc., pour pénétrer le Congo, ce n'est pas une histoire de Kilele, c'est tout le monde qui connaît, les Tutsis se sont dit, on va facilement nous reconnaître que nous ne sommes pas des Congolais. Il n'y a pas longtemps, dans l'entrée de tes questions, tu m'as dit que Kilele, tu es semblable rwandais. Je ne suis pas rwandais, je suis Mulenga. Nele Mulenga, il n'est au Kilele. Moi, je suis au Kilele, moi, je suis au Balega. Je suis un Mulenga, je te dis que je suis un Mulenga, et non pas Mulenga. Je suis Mulenga, de la tribu de Lega, de Balega, le plus grand territoire au Kivu, le Shabunda, et la plus grande tribu au Kivu. Les Balega occupent le territoire de Shabunda, de Mwenga, de Pangi, une partie de Walikale, et nous occupons 5 territoires dans l'ancien grand Kivu. Et c'est ce que je considère Kivu, parce que les découpages territoriaux ne me disent absolument rien, moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Je me considère comme étant quelqu'un de l'ancien Kivu, Kivu Mine, dont on a appelé Kivu Mine. Nous n'avons pas appelé les Rwandais. C'est Bill Clinton avec la mafia américaine et des sociétés américaines qui ont envahi le Congo. Et ce sont eux qui ont aidé Kagame et Museveni à pouvoir occuper le Congo. Parce que le Rwanda en lui-même n'a aucune force à pouvoir attaquer le Congo. Il n'en a pas. L'Ouganda n'en a pas. Les Burundi n'en parlent même pas. Et ils savent ça d'eux-mêmes que si c'était un combat de boxe sur le ring, Rwanda-Congo, Rwanda-Burundi, Rwanda-Ouganda, les KO n'allaient pas attendre le deuxième round. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc nous ne luttons pas contre les Rwanda ni contre l'Ouganda parce que ils n'ont pas la force. Nous luttons contre les grandes puissances du monde et les sociétés multinationales qui les ont sponsorisées et qui ont désarmé l'armée congolaise, qui ont désarmé les Congolais, qui ont occupé le Congo, parce que le Congo, c'est l'avenir de demain. Le Congo, c'est le centre du monde. Le Congo, c'est le paradis que vous cherchez dans la Bible. Le Congo, c'est là où se trouve le véritable Dieu terrien. C'est ça le Congo. Et ceux qui ont vu cela avant nous, qui ont des projections mystiques et technologiques, se sont dit, il faut occuper le Congo avant que les Congolais n'ouvrent les yeux. Donc ils ont un pouvoir de projection que nous manquons. Vous voyez ça? Nous manquons le pouvoir de projection et nous nous mettons à prier, à pleurer, pendant que nous avons le devoir citoyen et patriotique de nous défendre. Du fait que nous n'avons pas ce pouvoir de projection, nous n'avons pas ce pouvoir de nous défendre et nous nous considérons en victime expiatoire, ben, nous prenons des Bibles, nous allons à l'église, notre pays est essaimé de prophètes qui racontent des bêtises de Jésus-Christ et de tout ce que vous voulez. J'étais brossé un peu l'historique de la cause de la guerre. Ce n'est pas les Kivusiens. Les Kivusiens n'ont pas invité les Tutsis ou les Rwandais pour venir chez nous. Bon, tout en sachant que la politique du bon voisinage dont on a parlé a fait que nous sommes tous des Noirs, des Africains. On ne chasse pas son voisin. Les Rwandais vivaient chez nous depuis longtemps. Ils ont étudié chez nous, nombreux par billets. Ils ont étudié. Nous étions quelque part, naïfs, il faut connaître que les Moutous, quelque part, ce n'est pas une insulte, c'est caractérisé par la naïveté. L'hospitalité des Moutous fait qu'ils donnent tout ce qu'il a à un visiteur. Et après, ils se trouvent dans les néants. Alors, ces gens ont étudié avec nous dans les universités, dans les écoles,
Ils ont été des ministres chez nous. Parce que nous croyons que c'était une façon de pouvoir donner des dividendes panafricanistes. En fait, le premier pays africain à être plus panafricaniste. Le second, je peux dire, est le Congo. Parce que le premier pays, c'est le Ghana, avec les Osagyefo, le feu président Kwame Nkrumah. Parce que quand vous allez au Ghana, on ne peut pas vous demander la carte de séjour au Ghana jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas vous demander ça. Aussi longtemps que vous avez la peau noire, vous êtes africain. Et pour mémoire et preuve, vous pouvez voir même un des partis politiques d'Afrique du Sud, le PSI, Pan-African Congress de l'Afrique du Sud. Quand vous regardez les emblèmes de leur drapeau, les couleurs qu'ils ont au milieu du drapeau, ce sont les couleurs ghanéennes. Et vous voyez, les rayons solaires ou luminaires sortent du Ghana jusqu'en Afrique du Sud. Vous voyez ça? Ils ont gardé ça à la mémoire, le panafricanisme ghanéen. Et le Congo est le second pays panafricaniste. Je dirais peut-être le troisième, parce qu'il y a la Guinée de Ahmed Sékou Touré. Vous voyez ça? Alors, la naïveté de l'homme noir du Bantou a fait qu'il soit pénétré. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de notre hospitalité par des ingrats, des idiots, des ignorants, de malheureux tutsis qui se moquent de nous aujourd'hui partout, alors qu'ils ont étudié avec nos bourses. Ils ont été logés chez nous. Nous les avons éduqués, instruits, même l'ancien président rwandais, Habyarimana, avait étudié au collège d'Alfajiri et il est venu étudier à l'université de Kinshasa. Nous connaissons nombreux parmi eux qui aujourd'hui croient que la situation actuelle persistera. Le Congo n'est pas le premier pays à se retrouver dans cette situation. La France s'est retrouvée dans cette situation, quand bien même que la période a été courte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et même la première, la France s'est retrouvée dans cette situation. Et nombreux pays européens, la Chine de Mao Tse-tung s'est retrouvée dans cette situation où le plus petit Japon, plus petit et plus pauvre Japon, a colonisé une grande partie de la Chine. Quand vous allez à Kwame Tang, ça a été occupé par le Japon. Les Japonais ont fait textuellement ce que les Rwandais sont en train de faire chez nous. Exploiter, piller, voler, violer, enterrer les gens vivants. Le Japon a fait la même chose. Un tout petit pays devant la grande masse terrienne de la Chine. Donc, nous ne devons pas nous mettre à pleurer ou à regretter, nous devons nous lever pour chercher le mécanisme de défense, de repousser les assaillants et de récupérer notre terre. L'Allemagne avait récupéré une partie de la France dans la région de la, je crois, de la non, oui, une partie de la France, et la France, après la Deuxième Guerre mondiale, a exploité une partie des mines d'huile de l'Allemagne. L'Allemagne a continué jusqu'au niveau de l'Europe de l'Est pour prendre la partie de Sudeten où il y avait des gens qui parlaient seulement la langue allemande, et Hitler a dit que ces gens doivent tous être réintégrés dans la grande Allemagne. Mais ces pays, petit à petit, se sont rétablis et ont récupéré leurs frontières d'antan. Nous devons faire la même chose et ne pas passer le temps à crier, à pleurer. Nous devons tout faire pour nous emparer de bien de ceux-là qui ont volé chez nous. Le Rwanda n'a rien. Si votre compatriote, de qui vous doutez qu'il veut devenir président alors qu'il est rwandais, s'il prend le pouvoir, nous allons mettre fin à l'hégémonie rwandaise. Les usines qui sont en train d'ouvrir vont se fermer parce qu'ils n'auront pas de source de matière. Voilà. Je passe aussi la deuxième question avant que nous puissions chuter.
à notre visiteur d'aujourd'hui. Nous sommes en direct ici en Afrique du Sud. Il a voulu participer, vous pouvez aussi le faire. Et on lui pose, on lui donne encore le micro pour sa deuxième question. Et puis nous allons chuter et clôturer notre émission. Restez branchés. Merci, Président. Ma deuxième question est celle-ci. Chez nous, au Congo, il y a plusieurs personnes qui ont double nationalité.